l'après-midi essentiellement. Et ça fait bien plaisir à tous les auteurs qui sont là, dont Emmanuel Prost. Bonjour. Bonjour Christophe. C'est votre première foire du livre de Brive avec les éditions de Boré. Tout à fait. Toutes maisons d'édition confondues d'ailleurs. Toutes maisons d'édition confondues. Vos premières impressions? Et je suis ravi, je suis enchanté d'être ici, parce que c'est vrai que, en tant que déjà lecteur, c'est un salon qui attire, qui donne envie de venir visiter. Et alors, en tant qu'auteur, c'est la panacée. Alors, Emmanuel Prost, vous venez de faire paraître aux éditions du Bourré La Descente des Anges, qui compte la vie d'Oriane, qui l'amènera d'une catastrophe minière aux deux guerres mondiales. Vous êtes passionné de littérature, de cinéma, votre maison d'édition est dans le Puy-de-Dôme, vous êtes originaire de la Loire, vous êtes installé dans le Nord. Que de voyages! Tout à fait, et c'est vrai que je suis presque un globe-trotteur et je m'imprègne partout où je passe de toutes ces histoires qu'il peut y avoir à droite à gauche, et je me passionne pour chaque histoire locale des régions dans lesquelles je me trouve au cours de ma vie. Alors naturellement, dans le Nord, ce sont les corons, comme le chantait Pierre Bachelet, et vous êtes tombé sur un fait divers effroyable qui a été la plus grande catastrophe minière qu'on ait jamais recensée en Europe. Tout à fait, la catastrophe de Courrières, donc du 10 mars 1906, qui est la catastrophe minière qui a fait le plus de victimes, puisqu'il faut savoir que c'est un coup de grisou qui, en une journée, a fait 1099 victimes. Donc 1099 étant le chiffre officiel, vous vous doutez bien que par la suite, il y a eu des victimes supplémentaires, des suites de blessures et de tout ce qu'il y a pu avoir autour de la catastrophe. Donc votre livre part de cette catastrophe, enfin, c'est au début de cette histoire qui s'étend sur 40 ans. Vous avez retranscrit le patois ch'ti parce que vous vous êtes dit autant qu'il parle comme il parlait à l'époque. Oui, mais en même temps, je me suis astreint à n'utiliser qu'un personnage qui parlait le ch'ti. Sinon, c'était totalement imbuvable pour le lecteur lambda. Bon, je mets des traductions, mais j'ai utilisé un personnage, une femme de Coron qui est installée là depuis le 19e siècle et qui, elle, est tellement ancrée dans sa région qu'elle parle le patois complètement. Donc c'était plus un clin d'œil, histoire de rappeler ce patois picard qui est utilisé dans le Nord-Pas-de-Calais et qui a été parlé par beaucoup de monde et qui a été colporté au cinéma par Bienvenue chez les Ch'tis, oui, ou toute sorte d'œuvre de ce genre. Et c'est un petit clin d'œil. Alors on sent bien que vos personnages sont des gens normaux, besogneux, qui travaillent, quoi. Oui, oui, oui. C'était dur à cette époque. Ben, la mine était réputée pour être le travail le plus dur du monde. En même temps, demander à un mineur de changer de travail du jour au lendemain, il vous dira non, parce qu'il est tellement attaché à ce travail. La dureté fait qu'il s'attache encore plus à la tâche qu'il aurait demandé, quoi. Alors la trame également, c'est quelqu'un, un mineur qui ne se réveille pas le matin, oui, qui est remplacé par un autre. Et là va se produire... comme dans toute catastrophe, oui, j'ai utilisé le fait que une personne se retrouve ce jour-là sur les lieux de la catastrophe alors qu'elle ne devait pas y être. Et à contrario, donc, une personne qui devait y être est absente ce jour-là. D'où ce mineur qui ne s'est pas réveillé et qui a envoyé à la place donc son meilleur copain à une mort certaine dans la dite catastrophe qui a eu lieu dès les premières heures du matin du 10 mars 1906. Et dans la construction de votre roman, chaque chapitre porte un prénom. Oui, c'était une volonté en fait d'avancer dans la fresque historique de mon récit et de traverser le temps à travers le récit de différents personnages. Donc chaque chapitre raconte l'histoire mais du point de vue du personnage, du nom du chapitre. Et en même temps, il y a le personnage d'Oriane qui est le personnage central de ce roman, qui fait un peu le lien entre tous ces personnages et qui permet donc de remonter à une fresque historique qui va de 1885 à Bruges en Belgique et qui remonte jusqu'en 1945 dans le bassin minier à Salomon. Voilà, donc La Descente des Anges aux éditions de Boré avec Emmanuel Prost. On vous souhaite une bonne suite de Foire du Livre à Brive. Je vous remercie. Et de bons moments dans les restaurants de la région, parce que oui, on va essayer d'en profiter également. Merci beaucoup, Emmanuel Prost. Merci.